Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai procédé au deuxième tirage du jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je fais un tirage, au moins un tirage, oh là là, au moins un tirage tous les jours, à peu près dans ces heures-ci, en semaine en tout cas. Donc voilà, c'est le deuxième. Donc j'ai choisi ce jeu-là. On y va. Donc c'est un jeu plutôt sur l'amour, hein. Donc c'est des questions plutôt liées à l'amour. Donc voilà comment ça se trouve, l'intérieur et la lecture de la carte. Hop, regardez, il est magnifique. Voilà. Donc c'est un tirage que je fais pour vous et non pas pour moi. Il vous faut vous poser une question et choisir l'une des trois cartes que je vais placer devant et j'espère que ça répondra à votre question. Allez, c'est parti. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Allez, go. Alors, couple duo union. Vous voyez comme c'est joli. 15. Bon, j'ai réussi à lire ce matin. Numéro 14, numéro 15. Les unions seront à l'honneur. Les couples se forment enfin par amour. Les projets communs pourront se confirmer, car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction, certains seront à venir, même s'ils apparaissent un peu timides pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions ne vont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose. Prends le temps d'apprécier tous les instants à vivre à deux, découvrir l'autre avec délices, sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. La vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. C'est trop mignon. Nouveau départ, création. 22. Alors. Quoi de plus stimulant que l'amour pour être motivé et trouver l'énergie de faire des choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable? Une nouvelle ère t'invite à te dévoiler et à être imaginatif comme jamais. Elle t'invite aussi à t'imposer comme leader. Pour te dévoiler au monde en lumière, une bonne fois pour toutes. Il y aura beaucoup de séduction et cette idée nouvelle, ce nouveau rythme ne sera pas pour te déplaire, car tu vas comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur ton devenir amoureux, des croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de ton incarnation sentimentale. En assumant de vouloir t'évoiler, tu vas réussir à faire taire les plus grandes peurs et pouvoir de nouveau avoir confiance en toi dans les belles surprises de la vie. Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ, pleine de belles promesses créatives à vivre. Ah, c'est bien ça! Carte numéro 3. Séduction, tentation, flirt. Oh. 42, 42, beaucoup de cartes. 41, 42. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui qui te voue toute son estime et sa confiance. Pas de fumée sans feu, ce qui veut dire que si les fleurs par-ci par-là, ne t'étonne pas un matin de voir ta vie chamboulée. Certains jeux amoureux, pour qu'ils restent distrayants, doivent rester des jeux, ce qui veut dire qu'ils doivent aussi avoir des règles et des limites. Si tu ne veux pas entendre cela, tu t'exposes volontairement à tout bouleversement de ton foyer et ceux de ton cœur. Pense plus avec ta tête qu'avec tes pulsions en cette période et tout ira bien. Voilà pour le petit tirage du jour. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain. Salut, salut!